s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et tout ce qui est en moi est ton grand amour s'est manifesté, mon roi. Quand moi j'ai crié à toi, oh oui, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Jésus pour te consacrer ma vie entière. Et tout ce qui est en moi est, alléluia, ton grand amour s'est manifesté quand nous avons crié à toi. La Bible dit dans le livre d'Exode que quand tes enfants ont crié à toi, Seigneur, la Bible nous dit que tu as entendu leur cri et tu as dit que tu es descendu pour les délivrer de leur servitude. Ce matin, Seigneur, tu descends dans nos nations, là où nous sommes, tu descends dans nos familles, tu nous délivres de la servitude de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Satan, tu libères nos familles ce matin. L'Éternel descend ce matin dans nos familles. Au nom de Jésus. Dans le livre de Exode, Seigneur, tu as dit, j'ai entendu leur cri et je suis descendu pour les délivrer. Papa, ce matin, la Bible dit que, papa, tu as dit que une main forte, ta main puissante va amener Pharaon à nous libérer. Tout Pharaon dans nos familles, Pharaon dans nos nations, qui a retenu nos nations en captivité, nos familles en captivité, ce matin tu lâches prise au nom de Jésus. Enlève ta main, nous détruisons cette main puissante de l'ennemi. Nous détruisons la main de l'ennemi dans nos familles. Que la main puissante de Dieu les chasse ce matin au nom de Jésus. Papa, descends dans toute ta gloire ce matin dans nos familles. Descends dans toute ta gloire ce matin dans nos familles. Descends dans toute ta gloire, ô Saint-Esprit. Descends ce matin, entends les cris, Seigneur mon Dieu, de nos familles. Les cris dans nos nations. Oui, Seigneur mon Dieu, les pieurs sont venus piller nos nations. Nos nations ne peuvent pas s'élever. Il n'y a pas de progrès dans nos nations. Il n'y a pas d'infratitude dans nos nations. Dans nos familles sont dans la pauvreté totale. Personne ne peut élever la tête, ô Seigneur mon Dieu. L'ennemi a accablé nos familles. Mais la Bible nous donne l'assurance que si nous sommes accablés, l'Éternel Dieu nous délivrera de toutes choses. Papa, ce matin, nous demandons ta délivrance. Viens délivrer, Seigneur mon Dieu, nos familles. Viens délivrer nos églises. Viens délivrer la vie de tes enfants ce matin de la servitude de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Viens nous délivrer ce matin, agneau de Dieu. Viens nous délivrer ce matin, roi des rois. Viens délivrer ton peuple, Seigneur, de la main de l'ennemi ce matin. Tu es toi qui as dit, oui Seigneur, dans Exode, que tu as entendu les cris de ton peuple et que tu es descendu, ô Seigneur, pour les délivrer. Tu dis, je connais leur douleur, je connais leur souffrance. Papa, tu connais nos souffrances, tu connais nos désirs, tu connais nos difficultés. Quand papa, tes serviteurs étaient en prison, la Bible déclare que l'Éternel des armées, que le peuple ne cessait d'élever la voix pour leur libération. Oui, Seigneur, et quand ils ont prié, tu as envoyé un ange délivrer tes serviteurs de la prison. Papa, les portes qui étaient devant Pierre, la première porte, la deuxième porte, la troisième porte, c'était ouverte grandement, Seigneur mon Dieu, avec l'aide des anges de Dieu. Ce matin, nous prions pour le ministère angélique. Envoie des anges dans nos familles, ô Seigneur, que les anges de l'Éternel, mon Dieu, interviennent ce matin dans nos familles. Les anges guerriers aillent détruire, Seigneur mon Dieu, les forteresses de l'ennemi dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci. Papa, merci. Parce que dans ce passage de Exode 3, le verset 8 dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays et les faire amener dans un pays bon et vaste, Seigneur. Délivre les membres de nos familles. Délivre-nous, délivre nos entreprises, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que la main puissante de Dieu descende pour nous délivrer. Viens nous délivrer de nos oppresseurs, de nos ennemis.
Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nos cris montent vers toi ce matin. Que nos cris arrivent vers toi ce matin, Papa. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos nations. Souviens-toi de nos églises, ô Seigneur. Souviens-toi de tes enfants partout dans le monde entier. Délivre-les, Seigneur mon Dieu, de la sorcellerie familiale. Délivre-les. Délivre-les de la manipulation de l'ennemi. Délivre-les de tout pharaon de nos familles, de nos nations. Les pharaons qui se sont élevés dans nos nations, qui refusent que nos nations progressent. Ce matin, nous renversons leur fauteuil au nom de Jésus. Nous renversons leur fauteuil au nom de Jésus. Dans ma famille, dans la famille de mon frère et soeur, je renverse le fauteuil des méchants, des pharaons spirituels ce matin, dans les familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, agneau de Dieu. Papa, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire, parce que tu es ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, Papa, qui le fera pour la gloire de son nom. Et nous te rendons toute la gloire, agneau de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, roi des rois, dans le nom de Jésus. Maintenant, remets ta journée dans la main de Dieu. En cette journée, l'Éternel te fera du bien. En cette journée, sa grâce va abonder dans ta vie. L'Éternel t'a déjà délivré et il te délivrera. Alléluia. La délivrance de Dieu se manifestera dans tous les domaines de ta vie. Car sa main a été tendue ce matin pour nous délivrer de nos oppresseurs, pour nous délivrer des prisons maléfiques, pour nous délivrer des routines de l'ennemi, pour nous délivrer des pièges de l'ennemi, des maladies, des choses que l'ennemi a programmées. Que la main de l'Éternel nous délivre ce matin de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Reçois la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié ce matin et nous bénissons cette journée. Nous la bénissons au nom de Jésus. Qu'elle soit une journée de bonnes nouvelles. Oh, une journée agréable, paisible et tranquille. Que notre aller, notre retour soit béni. Que nos différents chemins soient bénis, recouverts du sang de Jésus. Que ma famille soit trempée dans le sang de l'agneau. Je bénis mes frères et sœurs partout sur cette planète Terre. Je les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Sois béni. Sois adoré et élevé. Alpha et Oméga, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci ce matin, que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. N'oubliez pas d'aimer la page et de partager au maximum. Que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel combat en votre faveur. Que l'Éternel vous donne le désir de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié ce matin. Amen, 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 amen.